bienvenue à vous dans ce vlog. Donc, je voulais introduire le vlog comme ça parce que tant que je suis encore présentable, je voulais vous dire qu'est-ce que vous allez voir dans le vlog. Donc, un instant, où est-ce que j'ai accroché ça? Oui. Donc, cette semaine dans le vlog, je vais un peu parler avec vous. Ensuite, je vais un peu vous amener à un me-time solo date avec moi-même parce que c'est important de prendre du temps pour soi. En tant que maman, en tant qu'être humain, il faut prendre du temps, il faut sortir de sa routine. Donc, je vous amène aussi à un vernissage dans une galerie d'art parce que j'ai décidé que oui, je veux faire plein de choses. Je vous avais montré un peu immersion dans le golf. Donc là, je vais maintenant à des vernissages quand je vois des choses qui coûtent même rien. C'est gratuit, c'était gratuit, c'était... dans une galerie d'art à la bibliothèque, pas loin de chez moi. Donc, j'ai décidé d'aller. Je me suis dit que j'allais vous amener avec moi. Donc, I just dress up and I went there. Et donc, c'est ça que vous allez voir dans le vlog, dans la suite. Et donc, si c'est déjà la première fois que vous passez sur ma chaîne, que vous voyez ma tête, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification. Comme ça, quand je publie une vidéo, vous êtes tout de suite avisé. Likez, partagez, commentez, n'importe quoi, un point, une fleur, un emoji, n'importe quoi, un bonhomme sourire. Et si ça vous plaît, je vous garantis que vous allez aimer toutes les vidéos que vous voyez sur ma chaîne. Donc, ça vous coûte rien, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis, ça fait du référencement pour nous autres créateurs de contenu sur YouTube. Et ça nous fait plaisir parce que ça permet qu'on monte les vidéos à plus d'autres, à plus de personnes. Donc, c'est ça, je vais... du coup, aller enlever tout ça, me démaquiller, me laver et rentrer déjà dans ma routine de maman. Et donc, c'est ça que vous allez voir. Là, je vais garder la carte de l'artiste que je suis allée voir en vernissage. I don't know if ça va focus. Est-ce que ça va focuser? Ça. En tout cas. C'est ça. Et je vous laisse avec la suite du vlog et je vous souhaite un bon visionnage. Bye guys! On a fini de faire les ongles. I don't know if you guys can see. Je m'en vais au parking où j'ai garé la voiture tantôt. Fait que c'est ça. Parce que je vous ai... je pensais que je vous disais ça le matin. En fait, bref. Je vais aller à un vernissage ce jeudi. 11 avril. Parce que like you guys know, je vous ai dit que... Je veux maintenant, en 2024, je vais faire les choses
que mon cerveau me dit de faire. Genre, si j'ai des événements auxquels je veux aller, si j'ai des activités que je veux faire, notamment le golf, vous avez vu. En tout cas, quand le soleil reprend là, le beau temps reprend, on se remet au golf. Donc, je vais aller à un vernissage. Et donc, je regardais ce matin comment on s'habille pour aller à un vernissage. Parce que je vous avais demandé sur Instagram et personne ne m'a répondu. So, I guess nobody knows how to dress to go to a vernissage. Maybe because you guys never went to a vernissage. Donc, j'ai regardé sur Internet et Internet disait que pour aller à un vernissage, on s'habille chic. On porte des costumes, des tailleurs. Like, guess what? I have a tailleur rose-ish que je vais porter avec mon sac capucine rose. Et j'ai fait une manicure qui allait dans ce sens. Donc... c'est ça, en plus avec mes lunettes, like, you know, I'm going to be rose. Kind of. Donc là, on va au parking où on a garé la voiture. Je vais mettre un peu la lumière. I think I'm going to remember where I parked my car. Like, je n'aime pas les parkings souterrains parce que je ne sais jamais me diriger à l'intérieur. C'est toujours Dominique qui se tape ça. But guess what? Cette fois-ci, j'ai garé de sorte que je sais où est ma voiture. Donc, on va aller à la voiture. On va aller chez Sephora parce que je vais acheter l'acide lactique pour combattre mon petit eczéma, la poussée que j'ai eue ici. Donc, c'est ça qu'on va faire. Je vois les fesses de ma voiture. J'ai déjà beaucoup parlé. Hein, donc, et après là-bas, je vais peut-être m'asseoir au Starbucks pour prendre un fruit du dragon et un petit sandwich. So, see you guys. J'ai pris un repas chez les Mexicains. Ils ont dit que la sauce, c'est une sauce douce. Ça ressemble au piment. Je vais pas manger quelque chose, ça va venir me dépasser. Je mange un peu. Il n'est pas très assaisonné. En tout cas, je mange tout le monde parce que je veux manger et être tranquille. Parce que quand je vais rentrer à la maison, là, ça va être chaud. Je continue, je regardais une vidéo de Audrey Charlène sur YouTube. J'ai fini de regarder Dahlia I Love You qui a annoncé sa troisième grossesse. Donc là, je vais regarder et j'ai l'impression que Audrey Charlène. J'ai fini de manger. C'est mon solo date. Donc, ça chez Starbucks. Bon, je vous reprends après. Quel plaisir de manger sans qu'il y ait une paire d'yeux qui te regarde. Ok, là il fait nuit à 15h. Il est quelque part là-bas, vous voyez? Ok, j'ai... Oula, j'ai l'image. Éclipse. C'est vrai? J'ai l'image. Oula, incroyable. Incroyable. Là, je me suis acheté du Cerebrac, guys. Là, Kimi est en train de se faire des... unboxing. Et du quoi-faire. Et là, on a commandé à manger. C'est des affaires qu'elle a mangé dans son enfance. Poisson braisé et sauce d'arachide. Kimi va manger du poisson braisé, moi je vais manger du muffin. Donc. Bon, ben, je vous laisse dans votre vie de famille. Tu cues Poupou? Oui. Bref. Fait que tu dis qu'il est différent? Oui, ça c'est le quaker que moi je mangeais quand j'étais enfant. Oh, j'ai même pas pu vous vlogger le restaurant. En tout cas, bref, c'est le restaurant La Calebasse. Pour ceux qui sont à Québec, La Calebasse, on peut manger africain. Donc là, on s'est pris, moi, poisson grisé, plantain, riz. Dominique s'est pris sauce d'arachide, poulet, riz. Et j'ai rajouté du cérilac parce que c'est mon petit plaisir. Je suis un enfant qui n'a pas grandi. Regarde ce qu'il fait. Je sais.
Donc. Tout le temps après moi pour que, quand je conduis. Tu conduis mais mal. Mais par contre, quand je lui dis comment conduire, tout d'un coup, ça l'énerve. Oui, parce que tu es toujours en train de. Tu as vu comment tu as failli me faire l'accident la dernière fois qu'on était à Montréal. Non, c'était pas. Tu conduis mal. Oui. Allô? Allô? Ah, si, c'est même si m'appelle. Allô? Papa? Ah, la lumière est revenue. Raphaël, prends ton grand-père. Donc, c'est ça. Il a failli nous faire l'accident à Montréal il y a 2 semaines. Parce que tu vois ce que tu fais là. Do you see what you're doing? So, Owen Jones went on Sky News and he ended up debating Sky and massive. See you guys. Israel support. At home. And so. Fait que j'ai fait venir un service de nettoyage de printemps de la voiture. Il va laver intérieur, extérieur. Donc, le petit gars est en train de s'installer avec son stuff. Puis c'est ça. Après, les maris vont dire qu'ils n'ont pas les femmes sympathiques. Genre, je prends sur moi, hein, de faire ça. Genre, c'est moi. Hey guys, donc, voici la tenue que je vais mettre tantôt. Avec son top blanc. Ça, c'est le sac que je vais porter. Et je vais mettre cette paire de chaussures. Mais avant de partir, je vais faire un réel. Et j'étais en train de préparer mon backdrop. Donc, je vais me placer ici pour faire mon réel. Et ça, vous verrez ça en backdrop. Je vais mettre le miroir quelque part. Faut que je suis en train de chercher. Je pense que je vais installer mon miroir ici. Comme ça, je serai au milieu là. Hein, et j'aurai mon miroir là. Fait que ça, je vais déplacer ça. Et là, je vais coiffer la perruque. Donc, je vais mettre un peu de mousse que monsieur a ici. S'il me laisse la prendre, je vais mettre un peu de mousse. Ensuite, passer mon petit fer et tout. Donc, on se retrouve tantôt quand je suis préparée. Est-ce que ça filme? Ok, ça filme. So, we're gonna film something. Donc, on va lancer la caméra. But first, ouais, on va te mettre là où il y a le soutien parce que we know those things. En espérant que ça ne va pas. Donc, et on va s'habiller pour aller à un vernissage dans une galerie d'art. Et je veux aller, qui vient d'une marque, I don't know, qui s'appelle Glamaker. Donc on va aller avec ça. On va donc commencer avec le pantalon. Tu t'éteins comment? Qui te donne la permission de t'éteindre? And then I will back. C'est-à-dire que quand on devient maman, là, le ventre ne veut plus partir jamais, alors. Ok. Mettre sa petite veste. Comme j'ai fait déjà un petit make-up tout simple, I think je vais porter mes lunettes. Oh yeah! Yeah, 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 yeah. Yare, 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 yare. Et on va aller avec notre petite Converse ici. Elles sont le contenu dans le contenu. Ok. On va couper comme. J'espère que je vais me casser un ongle aujourd'hui parce que là, je vais être fâchée là. Surtout que je ne pourrais pas l'arranger Lolo. Mmh.
Il dort comme moi. On va faire attention. Pour vous raisonner demain. Donc, voilà. Je vais vous éteindre. Vous ici. I hope you guys see. I don't know what you see. J'attends. Il me reste 15 minutes avant de partir. J'ai à peine une heure. Une heure. Comment on appelle ça? Oh my god. Au vernissage. Je devrais actuellement regarder sur le GPS. Ça se situe à quelle hauteur? Sauf que j'arrive là-bas, je commence à réfléchir. Je vois très bien la rue, mais il faudrait que je sache où exactement. Faut c'est que. Laisse me regarder. You can take the room. I'll take the couch. Je vais aller. Can you make me breakfast? Juste parce que je veux. I have to go return my wedding dress, so I won't be able to join you. Your dad didn't even buy you a wedding dress. Comment ça sonne des visages? It's wasteful to just buy an expensive dress, just only wear it once. Alors. Miss Quinn. Oh, c'est beau ça. Why don't you take her to the penthouse? And what? Tell her my real identity? Alors, on dit que c'est là le truc que je m'avais regardé. I don't know if you guys can see. On dit que c'est des personnages, des animaux, le noir et le blanc. So, yeah, I want to do some special things. So, on se retrouve après. J'espère que je vous ai mis à enregistrer. Thank you.